Chers tous, bonjour Cash, en ce jeudi 26 octobre 2023. Juste derrière moi, c'est le mur qui crache le cash, le pognon, le distributeur. Mais pour avoir le cash à la fin du mois, il faut travailler. Plusieurs Gabonais sont dans l'insécurité salariale. Est-ce que, au niveau de Port-Gentil, le ministre du Travail est informé sur ce qui se passe entre les employés de Peugeot et la direction de Peugeot? Est-ce que le ministre de la Justice est informé sur ce qui se passe au tribunal de Port-Gentil entre les travailleurs de Peugeot et la direction de Peugeot? Il n'y a pas que Peugeot, bien sûr. Il y a aussi les autres entreprises. Port-Gentil est devenu la cour du roi Peto. Qu'est-ce qui se passe à Port-Gentil? Pourquoi autant de laxisme à Port-Gentil, la capitale des capitaux, la capitale économique du Gabon? Pour avoir ça, le cash, chaque fin du mois, il faut travailler. Mais savez-vous seulement qu'il y a des entreprises qui payent 10 000 francs de prime de logement et qu'il y a des entreprises qui ne payent pas du tout la prime de transport? Est-ce que la convention collective est respectée à Port-Gentil? Pour que notre sort vers la félicité soit une réalité cash, il faut que les entreprises, les travailleurs s'assoient et parlent un langage cash. Et pour cela, nous avons besoin de la présence des inspecteurs du travail, du ministre du travail sur le terrain de façon cash à Port-Gentil. Cash. Pour un travail pour tous et équitable. Pour un statut des travailleurs gabonais respecté. Cash.